Frère avec Semio, Monseigneur, prête nous, nous voulons faire un tir à l'aise pour nous sous témoignage comment la communauté ça est venue arriver paroisse. Selon témoignage, nous joignons dans la bouche Naëlie Saint-Just, âgée de 94 l'année. Céliane Saint-Just, 98 l'année, avec Hélène Bouzy. C'était dans l'année 1925 qu'il y a eu ça. Il y a eu un personnage dans la communauté Lavano qui a été le Mouansi Bouzy, qui était réuni à la famille avec quel voisinage pour la prière chaque après-midi. Pour faire chapelet et partager la parole de bon Dieu. Il a été bâti un petit caille en paille. Et il était planché à planche palmes. Il était gain pour saint patron, Saint Joseph. Dans l'année 1928, révérend Père Naël t'a sorti la vallée sous cheval li. Il regardait sous tête mon bel Platon qui en bas. Il dit l'assemblée a bien chapé. Il dit il y a un grand monde qui relait moi ainsi qui qu'on réunit avec mon dans la localité pour la prière. Après nouvelle là arrivée dans bouche li, c'est comme ça. Il courir même moment il aller rencontrer avec moi ainsi. L'elle rivé, les jeunes madame Morancy qui t'a pas couché. Il était fait une petite fille. Penaël dit puisqu'elle est faite devant moi, c'est petite moi liée, ma balle non, Naëlie. Après, elle finit de rencontrer moi aussi, pour continuer la mission, elle est les sainte qu'on a prié, chapelle Saint-Antoine. Depuis les saints, la communauté Lavano est un beau patron Saint-Antoine. Penaël nommé moi aussi, directeur chapelle-là. C'est comme ça, les mouans qui entrent dans l'âge, ils ne sont pas capables encore, ces petits garçons ou petits das, qui viennent remplacer. Après les petits das, c'était petit garçon, Robert Bouzy. Après Robert, c'était frère André Bouzy. Quelques années après, 1986, qui repara cette cathédrale-là, mettait campé un comité qui était là-dedans, 7 membres. 6 garçons à qui on fit. Noyo Cédé, Osler Léon comme directeur, Holman Sidor, vice-directeur regretté mémoire, Andrés Bichot, secrétaire, Larius Abraham, trésorier, Narcisse Saint-Just, Rodolphe Parison et Solide Daran comme membre. Dans l'année 1991, dans l'occasion de la fête patronale, chapelle Saint-Antoine, révérend Penno Gaëtan Boussico, tu as fait une petite promenade dans la zone à quête comité chapelle là. L'arrivé côté presbytère est là actuellement. La faut observer et puis il dit l'assemblée a une belle église paroissiale. Chose dit, chose faite. 6 ans après, nouvelle la tombée. Regrettez mémoire, excellence, Monseigneur Guillaume Poulard, mettez chapelle là dans la paroisse. Jour qui était 16 février 1997. Avec comme qui est fondateur, regrettez mémoire, révérend Père Jean-Yves Favé. Frère Maxime, c'est comme ça. Nous gagnons histoire, paroisse, nom. Merci pour l'écoute.